Mais nous avons vu la jeune lionne rétrécir, Carnutia. Et ton oiseau est toujours aussi petit. Une cuillerée pour faire durer le sort de rétrécissement, ce n'est pas assez. L'effet de la potion va se dissiper. Oh, oh, oh. L'oiseau est étrange. Il n'est pas comme les autres. Oui, il a quelque chose de vraiment étrange. En route, ne restons pas là. Oui, mais le cristal! Par ici! Lina, ne fais pas ça! Ne t'inquiète pas, c'est le seul moyen! Lina! Doucement. Oh, Max! Oh, tu as retrouvé ta taille normale! Oh, apparemment la potion magique avait un effet temporaire. Le but, c'était de nous occuper. Pauvre petite chenille! Pauvre petite chenille? Elle a failli t'avaler toute crue! Ah, oh, je sais, mais c'est sûrement parce qu'elle avait une petite faim. Oh, mais j'y pense. Où est Sonny? Nous devons... Oh, ah, te voilà, Sonny. Comment les as-tu récupérés? Pour tout te dire, je ne sais pas trop. Ils brillaient tellement. Et tout s'est passé si vite. Eh bien, nous ferions mieux de partir avant que ce monstre ne se retransforme en géant. Tu sais quoi? Après tout, ce ne serait peut-être pas une si mauvaise idée que ça. Pas une mauvaise idée! Lina! Tu n'es plus affamée maintenant, pas vrai? Dis, tu veux bien nous prendre sur ton dos et nous accompagner? Alors, un voyage en première classe au cœur des contrées magiques, si je m'attendais à ça. Merci, Lina. Je vous en prie, professeur. Je devrais peut-être demander une petite participation pour le transport.